suis un héros cosmique maintenant. C'est l'un des héros de l'Hivernal Festival première édition. Sam Sam, petit super-héros qui cherche ses pouvoirs cosmiques, va faire ses premiers pas sur grand écran. Après deux saisons à la télévision, cette série à succès est adaptée au cinéma, le résultat de 2 ans de travail. Voilà, on l'a trituré dans des tas de formes différentes pour essayer de trouver la taille de ses oreilles, la forme de sa tête, la longueur de ses jambes. Avoir l'occasion de projeter le film ici, d'en parler un peu, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc voilà, en plus il va être projeté demain, j'espère que je vais le voir avec des enfants dans la salle. Je ne l'ai encore pas vu avec des enfants dans la salle, donc je voudrais voir la réaction des enfants. Ça va être rigolo. Et ce ne sont pas seulement les enfants, mais tous les fondus d'animation qui ont rendez-vous dans les salles obscures. Au programme, 4 avant-premières et des films issus de la programmation du dernier festival international d'animation. Une école secrète où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la vraie. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi. L'idée, c'est de se baser sur ce que nous cherchons à faire au mois de juin, c'est-à-dire à la fois montrer la richesse et la diversité du cinéma d'animation contemporain, qui peut à la fois embrasser des sujets plus graves, comme les Hirondelles de Kaboul par exemple, où j'ai perdu mon corps, et puis bien sûr des films plus famille, avec des héros que nous aimons, que nous connaissons, comme Sam Sam ou Vic le Viking. Durant 3 jours, une dizaine de films est projeté dans tous les cinémas d'Annecy.